Il était une fois un homme qui était tombé amoureux d'une sirène. Il quitta sa maison, son frère et son travail pour vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. Mais au bout d'un certain temps, il s'assit sur un rocher. There's an ocean of love beyond the shore, beneath the wind, beneath the waves, where we can dream our days away and swim with the fishes through the coral caves. Tides may swirl around us, the ships may pass above, but we won't notice them. We're down deep in our ocean of love. C'est pas croyable que t'aies retrouvé ça. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'attends que mon ami le crabe refasse surface. Bon. Moi, je vais apprendre de nouveaux tours à Spot. Il se débrouille pas mal. Tu vas voir. Allez, mon grand, en piste. Allez, debout, debout, debout. Debout. Bravo, c'est bien. On ne bouge plus. Pas bouger. Pas bouger. Attention. Prêt? Va chercher. Va chercher. Allez. C'est parti. D'ici deux ou trois jours, il rapportera son bâton. Tu es fabuleux. Mon chien me manque. J'aimerais bien le retrouver. Il te manque beaucoup d'autres choses. Oh non, crois pas ça. Non. Que pourrais-je bien regretter de mon ancienne vie? Les fruits et légumes, mon frère Freddy? Les encombrements? Je me souviens quand j'ai voulu aller au Yankee Stadium. L'enfer total. Mais j'ai trouvé une boutique qui vendait les meilleures patates farcies que j'ai jamais mangées. Et du bouchigum. Ils vendaient du bouchigum, des super chewing-gum qu'on mâche toute la journée. On se les plaque sur les lèvres et ensemble, à Mick Jagger. Viens avec moi. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Je te vois, toi, qui est très belle. Et moi, on est vert pomme. Et je ferai un crapaud très séduisant. Tu vas voir. C'est New York? Mais tu m'avais caché tes talents. Non, je faisais ça souvent avant de venir dans ton monde. Et puis ça s'est arrêté. Jusqu'à aujourd'hui. Et comment ça marche, ton truc?
J'en sais rien. C'est comme... Tu te rappelles comment j'apprenais vite avec la telle? Comment ça, la telle? Ah, la télé, oui. La télé. C'est pas fantastique? Ah oui, c'est une sorte de télévision sous-marine. On peut voir la vie des animaux? Toujours pas, mon chef. Quand est-ce que je vais être payé? Je vais aller voir. Freddy! Je t'ai vu te cacher, Freddy. Freddy, les gars ne viendront pas demain s'ils ne sont pas payés tout. Payés? Ben, il n'y a que ça qui compte pour eux, comme si l'argent allait changer leur vie. Écoute, Jerry, ça vient sans doute d'une petite erreur de paperasserie, hein? Je vais en parler à la banque. Il faut que je te mette au parfum. Demain, on a Carl Houghton qui vient par ici. Carl Houghton, le gros bonnet de la bouffe surgelée? La plus grosse chaîne de supermarchés de New York. Et nous sommes sur le point de signer pour fournir toutes ces succursales. T'inquiète, mec, la fortune est assurée. Alors, écoute, tu vas dire au gars de ne pas se faire de mouron, d'accord? Tiens, emmène ça dans ton camion. Ah, bah, ça fera plaisir à ta petite femme. Ma femme est allergique aux fruits et ça lui file des boutons. Ah bon? Alors tiens. Achète-lui un beefsteak. Merci, Freddy. Ah, jolie veste, hein. Mon directeur des ventes va vous expliquer l'inexplicable de cette situation. C'est tout, monsieur. C'est tout. Freddy, qu'on n'arriverait à rien avec cette énergumène. C'est une vraie tête de lard. Oh, Alan, j'aimerais bien que tu sois là. Pour te foutre un bon coup de poing dans la poire. Est-ce que tu aimerais lui parler? Freddy, tu as vraiment signé avec Carl Houghton? Non, j'ai dû le supplier de venir. Et toute l'opération est montée sur un coup de bluff. Je dois du fric partout. Et si on ne fait pas affaire demain, les patates Bauer, c'est cuicui. Oh, je suis gâteux, moi. Bon, je vais aller me coucher. C'est... Oh, ça vaudra mieux. C'est... Beaucoup mieux. Alan, je ne voulais pas te faire de peine. Je croyais que tu serais content de voir ton frère. La vie d'autrefois te manque toujours. Non, enfin... Madison, je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais... Les produits Bauer, c'était l'affaire de mon père et de mon grand-père depuis toujours, et j'aimerais pouvoir faire quelque chose. Tu peux retourner là-bas. Si moi, je peux tremper mes jambes dans l'eau salée à la pleine lune, et si nous sommes ensemble. C'est vrai? Alors, on y va? Juste le temps de remettre l'affaire sur pied. C'est tellement important pour toi. C'est consentir, monsieur Houghton. Si mes ex-femmes apprenaient ça, je vous garantis qu'elles me traiteront en justice. Ah, vous êtes divorcé, j'ignorais. C'est ennuyeux pour une association. Un homme qui ne sait pas gérer son mariage ne gère pas mieux ses affaires. Oh, mais je gère très bien le mariage, je me marie tous les 6 mois. Laissez-moi vous dire, qui est monsieur Carl Houghton? Je suis né pauvre et c'est à la force des poignets que je me suis fait respecter à New York.
Je vis intensément le rêve américain. J'appartiens à une société d'élite, je m'en réjouis, mais bien plus important encore, mon épouse s'en réjouit. Je ne ferai rien qui puisse nuire à ma réputation. J'ignore si votre affaire peut répondre à mes besoins, mais d'après mes renseignements, c'est la seule qui ne soit pas aux mains des truands et qui soit une affaire familiale gérée par les deux frères. Les apparences sont capitales pour moi. La famille l'est autant. Ça responsabilise et ça stimule. Où est votre frère ? Tout d'abord, laissez-moi vous dire deux, trois bricoles sur Freddy Bauer. Il y a 30 ans, un petit bonhomme est né et a commencé une ascension fulgurante dans l'univers impitoyable des fruits et légumes. Les Français se ramassaient une tripotée dans un petit village qui s'appelait Gaviafouille. Par un gros un tabac. Oh ! Jerry ! Oh. Je me rappelle qu'à l'école, j'étais dans les plus petits. Et dans la cour, les gamins n'arrêtaient pas de me piquer ma casquette. Pour l'amour du ciel, Bauer, qu'est-ce que votre casquette a à voir avec le prix du thé en Chine ? Désolé d'arriver en retard. Monsieur Houghton, je suis Alan Bauer. J'ai été retenu à la douane de l'aéroport en revenant des tropiques avec ma femme. Freddy, ferme la bouche, tu as le cerveau qui va prendre l'air. Ravi de vous rencontrer. La famille avant tout. Oui. Oh, Alan, c'est le petit bourgeois typique. Style pavillon de banlieue, clôture et compagnie, oui. Monsieur Houghton, je ne veux pas vous précipiter dans votre décision, mais sachez que chez nous, vous aurez les prix les plus bas et que nous vous livrerons toujours dans les meilleurs délais. Eh bien, je suis navré pour votre frère, mais ça, c'est la chose la plus sensée que j'ai entendue de la matinée. Je vais vous donner une chance, disons, sur la base d'un mois d'essai. Merci. Oui. J'aimerais que nos épouses se rencontrent, Monsieur Bauer. Avant de m'embarquer avec vous, je veux m'assurer de votre intégrité. Ma femme, Frida, est une remarquable psychologue. Ça va lui plaire, ça. Hein, que ça te plaît. Bon, donnez donc votre adresse à ma secrétaire, afin que ma femme puisse vous rendre visite. Bien. Entendu. Ah, et comme je le dis toujours, l'homme est à l'image de sa maison. C'est un signe qui ne me trompe jamais. Très juste, Auguste. Au revoir. Oh, mon petit frère adoré, c'est toi, bon sang. Oh, tu sais que tu m'as fait très peur en disparaissant comme ça. Ne bouscule pas, s'il te plaît, c'est toi qui as coulé l'affaire. Ne bouscule pas ton frère. Je te bouscule pas, c'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. C'est bien moi, mon Freddy. Si tu savais comme je suis content. Et moi donc? Mais qu'est-ce que je vois? T'as acheté des meubles de bureau? Alors comment va Madison? Oh, Madison, je l'avais oublié. Madison! Comment ça va? J'ai soif, je peux boire? Oui, bien sûr. Délicieux. Ça manque un peu de sel. Oh, bonjour les oiseaux. Oh. Alan, vous revoilà? Oui, madame Stimler. Oh, j'ai su que vous étiez mort. Oh, je me réjouis de voir que vous allez mieux. Je vous remercie. C'est comme ça depuis qu'elle a été frappée par la foudre? Oui. Tu sais, on s'habitue à tout. Explique-moi un peu cette histoire de pavillon de banlieue. J'ai un appartement qui est en ville. J'ai vendu ton appartement. Pourquoi? Pour du fric. Hey, mais qu'est-ce que c'est que cette chemise avec Jerry marqué dessus? On laisse tomber ma chemise et parle-moi de l'appartement. Ne t'inquiète pas pour ton appart, hein. Je contrôle la situation. Allez, viens. Allez, Madison, viens. Alors, j'ai vendu ton appartement et à la place, j'ai acheté une maison. T'es un bon investissement. Tu as quoi? Oh. Est-ce que je peux récupérer mes affaires? Oh, oui, c'est bien. Bien. Regarde-moi un peu cet environnement familial. Bon, ben voilà. Pas mal, hein? Et il y a une piscine et tout et tout. Quoi? C'est ça ton investissement? Notre première maison. C'est une piscine avec de l'eau salée? On va s'enseigner. Non, attends. Respectons la coutume.
Bien sûr, il y a des petites réparations. Mais vous avez vu cette cheminée? Allons visiter le reste de la maison. Je l'ai eu pour une bouchée de pain. La mie ou la croûte? Oh bah, attends d'avoir vu la cuisine, il paraît qu'elle vaut le coup d'œil. Comment ça il paraît? T'as pas visité avant d'acheter? Ben non, je l'ai acheté par correspondance à un agent immobilier du nom de Margoulin. Mais tu sais, avec des rideaux à fleurs, ça sera plus gai. Bon, vous me téléphonez pour la crémaillère, hein? Oh, Alan, regarde. C'est tout à fait comme notre cascade. Du plastique. De l'eau douce. J'avais espéré que... Finalement, chérie... J'ai bien réfléchi et je ne veux pas t'imposer ça. J'ai peur que ce soit trop dur pour toi. On ajoutera du sel. Oui. Et tu sais quoi? On peut peut-être même devenir le couple américain modèle. Et il vaudrait mieux parce que c'est le rêve de ce cher monsieur Houten. Dis-moi ce qu'il peut y avoir de plus américain qu'un jeune couple couvert de dettes après l'achat de leur première maison. Je te promets qu'on va conclure cette affaire et remettre la maison Bauer sur pied en deux temps, trois mouvements. Je ne t'ai pas vu comme ça depuis si longtemps. Parce que j'ai besoin de me lancer des défis, j'ai besoin de faire des choses. C'est pour ça que tu te sens bien. Oui. Alors moi aussi, je me sens bien et je suis très heureuse. N'oublie pas, personne ne doit savoir notre secret. D'accord? Ne vends pas la mèche. J'ai tiré la bobinette et la chevillette a chu, alors j'ai fait le tour par derrière. Bonjour, je suis Lois Needler, votre voisine. J'habite la maison d'à côté. Pardon. Je tombe mal, peut-être. Oui, on s'embrassait. Bonjour, madame, je suis Alan Bauer. Oh. Et voici ma femme Madison. Oui. Voilà, je serai brève. Je suis la présidente du comité de bon voisinage. Voici ma carte. Oh, ça se voit, votre nom est marqué dessus. Je suis venue recueillir votre adhésion. Nous nous occupons de promouvoir des mesures de sécurité rigoureuses afin de... d'éviter les horreurs que vos prédécesseurs ont fait dans cette maison. Croyez-moi, ça ne leur portera pas bonheur. En fait, nous aimerions connaître vos projets de remise en état de cette porcherie. Oh, nous avons des tas de projets. Oui, nous allons mettre du sel dans la piscine. Et j'espère qu'on s'embrassera sans arrêt. Madame Needler, puis-je vous téléphoner lorsque nous serons mieux installés? Oh, oui. Et si vous le souhaitez, je peux très bien avoir votre maison à l'œil. À l'œil? Non, rassurez-vous, je ne vois rien. Oui. Eh bien, aucune importance. Je vous aurai à l'œil quand même. Merci, Madame Needler. To help you set the mail.
enfin une apparence humaine. Ça sent bon. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Quand on a la chance de ne pas mourir carbonisé, oui. J'ai fait comme ils ont dit à la telle. Maintenant, tu bois ton café et je vais te chercher tes céréales. Oh, il n'est pas bon. Divin. Seulement, je suis un peu tendu à propos de cette affaire que je dois signer avec Monsieur Houten. Je mangerai un café en arrivant au bureau. Je crains de ne pas être une bonne cuisinière. Non, au contraire, chérie, tu es fantastique. Toutes ces choses-là sont longues à apprendre. Et c'est tout à fait normal qu'il te faille du temps. Bye bye. Je t'aime. Alan, c'est comme ça la vie à deux. Tu t'en vas au bureau et j'attends que tu reviennes. Je déteste. Mais je veux que tu sois content. Ne t'inquiète pas, tu es fantastique. Je te téléphone du bureau. J'adore cette bestiole. Mon poussin, si tu as un moment, va donc voir la femme de ce monsieur Bauer. Voilà son adresse. À plus tard, mon petit cœur en sucre. Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. Jolie comme vous êtes, vous n'avez pas à vous excuser. Je suis passée vous dire bonjour à l'improviste. Ne m'en voulez pas, je m'appelle Frida Houghton. Tout le monde ne peut pas s'appeler Madison. Non, je veux dire, je tenais à vous rencontrer à la bonne franquette. Je ne crois pas que ce soit ici, mais j'ai peut-être une franquette à l'intérieur. Alors ? Qu'est-ce que tu penses des comptes ?
C'est horrible, horrible. Il y a des trous énormes dans la comptabilité. C'est plus un livre de compte, c'est une passoire. J'ai réinvesti jusqu'au moindre centime dans l'affaire, Coco. Et je me suis agrandi. Oui, tu t'es offert du mobilier de bureau, on a un sauna en bas de l'escalier, un jacuzzi, une masse suédoise et deux jardiniers. C'est ça les cadres, tu sais, pour être coq chez nous, il faut être un sacré costaud. On n'a jamais eu qu'un seul et unique cadre, toi. Ben, je suis costaud. C'est vrai, j'admets que j'ai été un peu trop laxiste, mais toi, tu m'as pas aidé en disparaissant. Oui, je sais, je sais. Je suis désolé, je vais arranger ça. Madame Stimler, le téléphone. Quoi ? Le téléphone, il sonne. Ce n'est pas ma faute. Le téléphone, ici, ça sonne toutes les 2 minutes. C'est vrai. Allô, les produits Bauer. Ah, bonjour, Karl. Écoutez, Alan, je sais que je vous prends un peu de cours, mais... Je me suis débrouillé pour vous faire inviter, vous et votre frère, à une petite réception ce soir. Oui, c'est à Long Island, pas très loin de chez vous. Alan, n'oubliez pas d'amener votre femme. Et apportez aussi votre carnet de chèques. Nous collectons des fonds. Extra. Au revoir. Comment ça, extra? Il nous a dit d'amener nos chéquiers, abruti. Rien ne nous empêche de faire des chèques. Aussi longtemps qu'ils les encaissent pas. Donc, Karl tient à ce que nous fassions connaissance. D'où venez-vous exactement? De dehors, c'était moi dans la piscine. Je veux dire à l'origine. Eh bien, pour être moins vague, de l'océan. Vraiment? Une européenne? Oh là 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 là! Moi, je suis de Richmond en Virginie. Et tout ce que j'ai connu de l'océan, ce sont les jeunes officiers de la base de Norfolk. Auriez-vous un verre d'eau? Ou un jus de fruits? J'ai du jus d'orange au congélateur. Parfait! Eh bien, je voulais simplement me faire une petite opinion. Voilà qui est chose faite. Mon coiffeur va s'impatienter, je le sauve. Je croyais que vous aviez une perruque. Ah. Oh, j'adore votre sens de l'humour. Et tout compte fait, je vous trouve très sympathique. À bientôt et merci. J'ai passé un moment délicieux. Alors, voyons, 527. Parfait. Ça devrait pouvoir marcher. Oui, voilà. Il suffit de réduire les stocks. Je t'aime, Alan. Je t'aime, ma chérie. Oh, merci beaucoup, Monsieur Bauer. Oh, je vous aime depuis si longtemps. Est-ce que tu me vois? Tu es dans l'évier de la cuisine. Dans l'évier de la cuisine? S'il te plaît, ma chérie, n'enlève surtout pas la bonde pendant la conversation. Entre nous, c'est pas très joli ce que tu fais là, tu exagères. Pourquoi? Avoue que ce n'est pas très humain. Et si jamais on nous voyait? Mais ça fait partie de moi. Oui, je sais, chérie, mais c'est cette partie-là qu'il faudra changer. D'accord. Je m'ennuie de toi. Moi aussi, mon ange. Je serai là de bonne heure. Karl nous a invités à dîner ce soir. Je t'aime. Chérie, tu vas bien? Oh, très bien, chérie. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Tu aurais dû me dire que Madame Houten était passée te voir. Je t'ai appelé, mais l'évier était occupé et j'ai oublié de te le dire. Surtout, te fais pas de soucis, parce que ce soir, je vais être tellement humaine que Karl pensera que nous sommes comme n'importe quel autre couple. Tu sens pas le poisson? Oh non, un aquarium. Hommes enferment-ils les poissons là-dedans? C'est difficile à expliquer. Nous aimons l'océan
mais très peu de gens peuvent voir la faune sous-marine. Alors, nous mettons des spécimens ici pour les admirer. Ah, je comprends. C'est joli. Mais s'ils veulent s'en aller... Ah, chez Bauer, c'est comme avec les fleurs, hein, la fraîcheur du produit avant tout. Je suis bien de votre avis. Oh, Alan, Madison, je suis heureux de vous voir ici, mon cher. Le plaisir est pour moi, monsieur. Vous aussi, Madison. Frida m'avait dit que vous étiez ravissante, mais quand je vous vois aussi blonde, aussi mince, aussi somptueuse... C'est mauvais pour ta tension, Carl. Hello. Mes hommages, Madame Houghton. Oh, Frida, vous ne trouvez pas qu'elle a l'air d'avoir une perruque? Viens avec moi une petite seconde. Eh ben dites donc, c'est pas le poisson qui manque ici, hein. Nous avons des poissons, des langoustes et toutes sortes de crustacés. Comment êtes-vous entré au conseil d'administration de l'aquarium? Eh bien, tout simplement en payant. J'avais essayé d'entrer à la NASA, mais c'était complet. Alors là, j'ai offert $1 million pour la recherche et boum, du jour au lendemain, je tapais sur le ventre des grands esprits scientifiques. Non, franchement, Carl, c'est épatant. Jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Sans compter qu'on nage dans l'opulence. Elle est très bonne. Et vous, ma chère enfant, vous aimez les poissons? Oh oui, excepté l'espadon géant. C'est quelqu'un de borné qui refuse toute discussion et pourtant Dieu sait que j'ai tout essayé. Un jour où j'étais toute seule chez moi, j'ai invité l'espadon à dîner. Alors, à propos, de quel ordre serait la contribution pour votre aquarium? Voulez-vous nous excuser un instant? Et hop, plus de chèque. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non, mais je trouve que tu en fais un peu trop. Si tu restais ici, chérie, et que je t'apporte à dîner. D'accord. Sultan a l'air de vous apprécier, ce qui prouve qu'il a bon goût, car vous êtes une femme très charmante. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Otto Venice. Puis-je vous offrir mon bras? Oh non, merci, j'en ai déjà deux. Oh, abusant. Je travaille avec Sultan. Je viens en effet de recevoir une bourse de l'aquarium, une bourse très substantielle pour entreprendre des travaux très importants et des plus lucratifs pour ma carrière. Ah oui, quel genre de travaux? Eh bien, j'ai la ferme intention de faire la célébrité de votre ami Sultan. On s'imagine que je vais utiliser des ordinateurs, des électrodes pour permettre aux hommes de savoir comment le dauphin est à même de percevoir le monde. Mais je vais faire plus, beaucoup plus que cela. J'ai d'énormes projets. Et Alan, d'énormes doigts de pied. Ah, oh, c'est original. Voulez-vous voir le toit du réservoir? Mon labo se trouve à côté. Madison! Ah, tu es là. Tu viens dîner? Excusez-moi. Sultan, tu as un talent prodigieux. Et je compte bien m'en emparer. Ceci est une maquette de cerveau de dauphin. Quelque part à l'intérieur, il existe un lobe qui permet au dauphin d'envoyer des images détaillées et d'établir un rapport permanent avec ses congénères, de cerveau à cerveau. Qu'est-ce que ça signifierait si un homme était en mesure de faire ça? Ça remplacerait le téléphone. Avant tout,
J'ai l'intention de localiser ce lobe avec ses deux électrodes miniatures. Ensuite... Sultan, va dans l'autre bassin. Deuxième phase, je projette d'extraire ce lobe et de l'implanter dans un cerveau humain. Et si vous décidez d'enlever ce lobe qui est dans le cerveau de Sultan, ça va pas lui faire bobo? Qu'est-ce qu'un dauphin représente pour que tu t'apitoies sur ses malheurs, hein? Ouh, oh, oh, oh. Je viens. Madison. Frida. Madison, où êtes-vous? Dans la cuisine, devant mes casseroles. Je vais te dire ce que je vais faire de cet argent. Je vais acheter un café. Madison, vous êtes sûre que ça va? Je regardais une émission à la télé sur l'art de plaire à son mari et c'était très instructif. Je peux vous poser une question? Oui, tant que je ne suis pas concernée. Comment ça va avec Alan? Plutôt bien. Il est très heureux d'être revenu travailler avec Freddy. Ça lui prend beaucoup de temps, mais il est ravi. Et vous pas trop, c'est ça? Je crois qu'il faut qu'on vous aide dans vos affaires matrimoniales. Oubliez vos casseroles et reprenons tout à zéro. Je vais faire de vous mon plan de rénovation personnelle. Vous feriez ça pour moi? Prenez vite votre sac et allons-nous-en d'ici. Mais si Alan téléphone? Asseyez-vous une seconde. Leçon numéro 1, l'égalité. Vous voulez sortir, vous sortez, tout comme lui. Et je vais vous dire une chose. Vous avez besoin d'une activité qui vous motive. Alan dit que les casseroles, c'est motivant. Alan ne sait pas ce qu'il dit. Tout est très différent pour les femmes aujourd'hui. À l'époque où j'étais enfant, on voulait être adulte et se marier avec un monsieur qui ressemblait à papa. Aujourd'hui, on grandit et on peut exister toute seule. Être chirurgien, avocate et si on veut, être femme au foyer, d'accord, mais au moins on l'a choisi. Et vous êtes certaine que ça marche? Aucun doute. Je suis une femme très riche. Allez, venez. Vous n'avez qu'une vie, faites-en ce que vous voulez. J'ai le droit. Je peux. C'est vrai? Alors je peux conduire, j'ai suivi les leçons de code à la telle. Où va-t-on? À l'aquarium, c'est important. Qui donne les cours de conduite à la télé? Ronald Reagan. C'est formellement interdit de monter ici. S'appelle Carl Houghton. Il est membre du conseil d'administration de l'aquarium. Oh, mais c'est Madame Houghton. Hein? Abruti! Je suis désolé. Mais bien sûr qu'il est désolé. J'ai cru qu'elle allait tomber dans le bassin. J'ignorais que... Et toi, tire-toi de là! Et que ça lâche! Quant à toi, assure-toi qu'il va bien retourner au labo. Oui. Je suis terriblement désolé, Madame Houghton, mais peut-être pouvons-nous prendre un rendez-vous pour que cette dame tombe dans le bassin et fasse trempette à un moment que nous aurons choisi. Je vous laisse. Vous allez me donner plus de travail que je ne le pensais. On a bien fait de venir ici. Les escaliers sont très bons pour la circulation. C'est ça, chérie. Herb, regarde. Tu as vu, ce sont les Bauer. C'est ça, chérie. Et Carl nous a invités au Country Club.
Freddy dit qu'il veut une collaboration permanente. Je crois que c'est bien parti. Ça ne va pas? Tu n'as fait que parler à faire toute la soirée. Oh oui, bien sûr, mais je suis tellement content, j'ai tellement de choses à dire. Excuse-moi et parlons de tout ce que tu veux. Merci. Je suis allée à l'aquarium pour parler à Sultan le dauphin. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et si jamais on t'a vu? Frida m'a dit qu'il fallait trouver une occupation. J'en ai trouvé une. Sultan me demande un service. Mais je ne sais pas comment te le dire. Il sait quand même. Suppose que deux personnes se soient connues toute une vie. Et qu'un événement les sépare et que par exemple l'un s'imagine que l'autre est mort pour toujours. Je peux savoir ce que tu ferais? Je crois que je téléphonerai ou que je t'enverrai même un télégramme. Je ne vois pas où tu veux en venir. Eh bien, Sultan n'a pu dire à personne où il a été, ni quand il reviendrait. Et moi, je crois que je peux le faire. J'en suis sûre. Faisons-le tout de suite. Oh, mais tu es folle! Oh non. Qui s'est caché sous la table. Il est peut-être timide. De l'eau minérale, madame? Non, merci. Madame a-t-elle été satisfaite? Oh, c'était délicieux. Mon mari vous paiera en montant. Certainement. Qu'il ne se presse pas. Oh, alors, son mari est sous la table et je te signale qu'il est toujours pas remonté. Regarde ce qu'il a dans son assiette et commande autre chose. Eh bien, cette fois, tu as battu tous les records. Madison, ta jupe est déchirée. Sommelier, la carte des vins, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Madame Needler. Bonsoir, Madame Needler. Bonjour. Par ici, jeune homme. Bienvenue au club. Merci. Je pourrais vous dire que c'est modeste, mais vous ne me croiriez pas. Tu parles, Charles. J'aime le bruit des pièces le soir au fond des poches. Je crois qu'il ne nous manque rien. Je vous enlève Madison pendant que vous parlez à faire. Oh, excellente idée. Si je peux faire quelque chose pour vous, Madame Bauer, n'hésitez surtout pas à me le demander. Monsieur Houghton, puisqu'on en parle justement, pourriez-vous faire en sorte que l'aquarium relâche Sultan le dauphin? Vous n'êtes pas membre de la SPA, j'espère. Sultan est un être très sensible. Ce n'est pas un jouet pour savants en mal d'expérience. Est-ce que quelqu'un veut boire quelque chose pour se réhydrater? Ouais. Très volontiers. Ça vient, oui. Je m'en occupe. Viens avec moi, ma chérie. Il va s'en occuper. Qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, il m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour moi. Je sais qu'il te l'a demandé, mais ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi il me disait des choses qu'il ne veut pas dire? Parce qu'il voulait être poli. C'est humain comme comportement. Tiens, par exemple, un ami me dit « Salut Alan, comment ça va ?» Et moi, ce jour-là,
J'ai justement une rage dedans et mon chat a été écrasé. Ce qui ne le regarde pas. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bien, merci, et toi? Pourquoi? Parce que... Comme il n'écoute pas ce que je lui dis, il est normal que je ne lui dise rien. Alors pourquoi vous vous parlez? Par simple politesse. Dans la vie, il y a des choses que l'on fait par politesse. Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Écoute, tu veux un peu oublier Sultan le Dauphin? Nous devons sauver les produits Bauer. C'est pour ça que nous sommes là. Toi, tu dois sauver les produits Bauer. Moi, je suis là pour aider Sultan. Oh, je t'en prie. Et puisque c'est comme ça, je ne te donnerai pas les chiffres du tiercé. Et je ne te raconterai pas la fan d'Alas. Tu sais ce que tu es? Tu es un... Il s'agissait d'un essai de sirène. Si vous aviez assisté à un véritable sinistre, vous l'auriez su. Parce que dans l'ensemble, vous n'êtes pas bête et je suis fier d'être parmi vous. Messieurs, dames. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Quand nous sommes revenus, tu as dit qu'il fallait avoir des occupations à but dans l'existence. C'était vrai. Tu sais que les dauphins s'accouplent pour la vie. Sultan veut que sa compagne sache qu'il est en bonne santé et qu'il reviendra bientôt. Il ne veut pas qu'elle meure de chagrin. Je dois la trouver et le lui dire. Tu n'as qu'à lui envoyer un message aquatique. Allez, viens, allons retrouver Monsieur Houten. Ça ne marche pas si je ne sais pas où elle est, ou si elle est en colère, ou triste, ou... Et notre avenir à nous? Les projets concernant notre vie? Nous ne pourrons être ensemble que si nous restons solidaires. Mais si l'un d'entre nous abandonne une part de lui-même, l'autre se retrouvera seul. Et jamais plus nous ne serons ensemble. Tu comptes repartir, n'est-ce pas? Oui. Qu'un de nous n'est capable de retenir l'autre. Quoi qu'il arrive, je resterai ta femme, Alan. Nous sommes mariés devant Neptune. Je sais que nous sommes mariés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes mal à l'aise ici, tous les deux. Là-bas, sur l'île, je commençais à m'ennuyer. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas te faire de peine. J'ai voulu être gentil. C'est ce que tu appelles la politesse. Sans doute. Ne pas dire la vérité à sa compagne. Jamais je ne m'y habituerai. C'est possible. Madison! Non! Mais c'est pas ce que je voulais dire! Pardonne-moi! Cassette confidentielle numéro 1. Moi, le docteur Otto Venice, enregistre cette cassette afin de prouver mes bonnes intentions dans le cas où quelqu'un mettrait en doute l'utilisation des capitaux par rapport au but initial, à savoir contrôler la pensée de mes semblables, ce qui est précisément dans mes intentions, graines d'abruti congénital, tête de veau vinaigrette, zèbre à pattes vertes, résidus de la sous-intelligence animale. J'essayais de recréer une atmosphère sous-marine, l'ambiance aquatique... Tu braques la caméra sur moi, mongolien! Fondu enchaîné. Le premier chapitre traitera d'une catégorie de sous-mammifères. Plus primitif que mon assistant, doué toutefois d'une intelligence non négligeable. Et communément appelé le dauphin. Phase numéro 1. Je vais obtenir la confiance de l'animal
et le soumettre à la volonté humaine par la domination. À noter chez le dauphin sa faculté exceptionnelle de soumission totale. Fais entrer Sultan dans le bassin. Super patron, en plein dans l'estomac! Allô, Madison? Oh. Salut, Freddy. Oui, j'arrive. Oui, entendu. Je sais que j'ai dit ça pendant 3 jours, mais là, je suis sincère. Oui, je m'habille et j'arrive. Non. Je vais pas rester comme ça toute ma vie. Bye. Pardon, j'ai été ridicule. Ça y est, j'ai retrouvé sa compagne. Si tu avais vu sa tête quand je lui ai dit que son mari était toujours en vie. Je sais ce qu'elle a éprouvé. Mais le plus extraordinaire, c'est que Sultan lui a fait un bébé. Il va être papa, il ne le sait pas encore. N'est-ce pas romantique? Si. Tu sais, lorsque je suis partie, je croyais que je devais juste la retrouver pour lui dire que son compagnon allait bien. Mais je sens maintenant que Sultan doit partir la rejoindre et être là pour la naissance du petit. Karl pourrait demander qu'on le libère de l'aquarium. Je n'en sais rien, Karl a du mal à digérer l'incident du club, tu sais. Possible qu'il décide de relâcher Sultan, mais Dieu sait quand. Je ne peux pas attendre. Sultan est quelqu'un de très précieux pour moi. Il était présent à ma naissance. D'accord. Je demanderai à Karl s'il compte garder Sultan longtemps. C'est promis. Oh, je t'aime. Oh. Ah, Charles, vous n'êtes pas blessé. J'ai entendu un bruit. C'est ça, chérie. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose chez les Bauer. C'est ça, chérie. Allons par-delà ces montagnes. Oui, c'est cela. Oh, pitié. Tu n'en iras plus jamais. Non, Alan! Oh, Alan! Vite, vite, appelle la police! Il est en train de la tuer! Il est en train de la noyer! Et alors, ça le regarde! C'est pas une balle dans le bras qui me frappe les genoux! Dépêche-toi,
dépêchez-vous. La piscine est derrière, par ici. C'est lui. C'est l'assassin. Et doucement, qu'est-ce qui se passe ici? Demandez-lui ce qu'il a fait de sa femme. Quelque chose ne va pas, monsieur l'agent? Eh bien, pour un cadavre, c'est pas trop bien. Je ne sais pas de quoi il s'agit, monsieur l'agent. Ma femme et moi prenions un bain de minuit. Désolé, monsieur Bauer. Et pardon pour le dérangement. On s'en va. Fausse alerte. Je sais qu'il se passe des choses bizarres chez vous. Et je vous jure que je trouverai. Allons. Otto va faire quoi? Harvey. Il se passe des choses très curieuses là-dessus. Regarde, il est en train de communiquer avec quelqu'un, ce dauphin de malheur. Mais avec qui? J'en ai aucune idée. Très bien, très bien. On va accélérer le processus et passer à la phase numéro 2. Quoi, la phase où on opère du cerveau? Je t'ai dit 100 fois de ne pas dire ces mots-là à haute voix, crétin. On ne sait jamais qui peut nous écouter. Alan. Alan? Alan, tu m'entends? Alan! Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Quoi? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'a appelé? Quoi? J'ai dit... Frida, il faut que je vous parle. Qu'est-ce que vous faites là? C'est au sujet de Sultan. Il faut que Karl le fasse remettre en liberté. Mais c'est tout à fait impossible. Sultan a été capturé pour un projet de recherche $1 million. L'aquarium ne peut pas perdre une somme pareille. Avec la publicité, je sais que Karl refusera. Vous disiez qu'une femme devait aller au bout de ses convictions. Je suis désolée. Je dois y aller, j'ai un rendez-vous. Madison! Oh, j'ai eu tort de vous donner tous ces conseils. Mais vos amis sont mes amis. Vous êtes gentil. En plus, j'ai envie de vous aider. Racontez-moi. Oui, j'ai besoin d'un uniforme. Je vais chercher Sultan. Je ne suis pas encore prêt. Espèce de pâté impérial mal cuit. Voilà, je suis prêt. Harvey, oui. Appelle les gardes. Les gardes. Sultan, allez, vas-y, nage. Je sais que tu peux y arriver. Je sais que c'est dangereux, mais tu dois y arriver. Tu peux avancer un peu plus, Sultan? On est très occupé à ce que je vois. Oh! Non, doucement! Oh! Non. Sultan, non! Oh.
cette femme à la police et faites-la boucler. Tu as des invités? Oh, oh Alan, oh, c'était tellement drôle. Frida et moi avons été mises au violon pour un 487. C'est bien ça, hein, les morphales? C'est ça, madame Bauer. C'est quoi un 487? Vol qualifié. Elles essayaient de voler un dauphin à l'aquarium. Mais vous avez été arrêtés? Oui, mais Carl nous a fait libérer avant la chaise électrique. Excellente nouvelle. Merci pour les fruits, madame Bauer. On s'est bien régalé, mais il va falloir qu'on retourne au poste maintenant. Je vous reconduis. Non, on connaît le chemin. Allez. Et encore merci pour votre visite. Vous auriez dû amener la famille. Ils ont été tellement gentils. Tu devrais te faire arrêter. Tu ne peux pas savoir comme les gens sont charmants en prison. Tu veux des raisins? Non. Madison, comment as-tu pu faire ça? J'ai voulu t'en parler d'abord, mais j'ai pas pu, alors je suis allée trouver Frida. Je ne sais pas quoi te dire. C'est vrai, j'ai essayé cette fois. J'ai vraiment essayé. Et je me suis décarcassé pour que Carl me dise combien de temps il garderait Sultan à l'aquarium, comme je te l'avais promis. Alan, tout ça, ça ne suffit pas. Tu ne comprends rien. Non. Désolé. Mais maintenant, je vais être obligé d'aller trouver Carl et de lui expliquer cette glorieuse affaire, en espérant qu'on gardera le contrat. Je te remercie. Alan. Alan. Oh. Alan. Et ne revenez pas déranger Monsieur Houghton. Merci. C'est là depuis combien de temps? Depuis qu'ils l'ont mis, cette question. Alan, il faut qu'on parle. Vas-y. Madame Stimler, vous voulez bien nous excuser? Je voudrais parler en privé avec mon frère. Oh, mais certainement, Monsieur Bauer, certainement. Je vais aller vous le chercher. Voulez-vous m'excuser, s'il vous plaît? Ouais. Fais vite, Freddy, j'ai du boulot. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on parle de toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il paraît que t'as dormi ici cette nuit. C'est pas moi. C'est Madison. Elle est obsédée par Sultan le Dauphin. Hé, tu dis que Madison est la femme pour qui t'as tout laissé tomber, hein? C'est surtout la femme qui a abandonné tout ce qu'elle avait pour toi. Alors, elle a débarqué ici, elle a vu que c'était plus compliqué que de faire la brasse-papillon, et toi, tu le supportes mal. Je vais te dire, elle fait des efforts, mais toi, tu débloques à plein tu. J'essaie, pourtant. Crois-moi, j'essaie. Mais nous sommes deux êtres complètement différents, mon vieux. Et c'est pour ça que c'est vachement sympa quand tu l'embrasses. Oh, s'il te plaît, Freddy. Hé, tu as oublié que des filles comme elle... Hein? Il n'y en a pas une sur un million, mon pauvre vieux. Il n'y en a pas une sur un milliard. Maintenant, écoute-moi. Je suis très sérieux. Tu me connais, Alan. J'ai jamais cru à quoi que ce soit. À part le fait qu'un beau jour, je vivrai une passion dévorante avec Bette Davis. Hey. Homme à femme poisson, homme à femme sirène, toi, tu as trouvé quelqu'un avec qui partager ta vie. Une femme en qui tu puisses avoir confiance, tu vois. Ah, si tu fais passer les fruits et légumes avant ça, avant Madison, c'est que tu as un sacré problème, vieux. Bonsoir, chérie. Alan, mais où étais-tu? À l'aquarium.
À l'aquarium? Oui, je t'expliquerai. Mais avant, il y a des choses qu'il faut que je te dise. Tu as toujours été là pour moi. Et je ne l'ai pas toujours été pour toi. J'en suis navré. Tu n'es qu'un être humain? Oui. Et toi, pas. C'est peut-être bien là tout mon problème. Tu sais, il est possible que je comprenne mal ce qui est important à tes yeux, comme cette affaire de Sultan. Mais si tu dis que c'est important, ça me suffit. Je serai à tes côtés quoi qu'il arrive. Tu es ma femme. Tu sauveras Sultan? C'est promis. Oh, Alan, je te remercie. C'est pas juste pour le petit dauphin. J'avais tort. Le docteur Vénice ne laissera jamais partir Sultan. Il veut lui découper le cerveau. Il faut faire évader Sultan. Bien, je crois qu'il y a un moyen. C'est pour ça que j'ai passé la journée à l'aquarium. Écoute, il y a un monte-charge à côté qui donne sur une ouverture du toit. On va amener un brancard dans le labo, Sultan grimpera dedans et on le descendra après dans le camion. Et... allez, explique-lui. Allons, 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 allons. Cette Bauer a trop attiré l'attention sur nous. Nous commencerons l'expérience sur Sultan demain. Le temps presse. As-tu bien compris comment préparer Sultan? Je suis pas sûr. D'accord. Je crois qu'il va falloir agir ce soir. Tu restes là et tu feras entrer le brancard dans le labo dès que l'aquarium fermera. En attendant, je vais chercher du renfort. Je t'aime très fort. À qui téléphonais-tu, chérie? À personne. J'ai essayé de contacter Madison. J'ai eu un message de son mari, mais il m'a été impossible de la joindre. Je t'ai déjà dit d'éviter ces gens, mon petit. Ils ne sont pas nets. Je suis sûre que tu ne m'aimes plus. Allons, ma chérie, pourquoi est-ce que tu dis de telles atrocités? Tu sais très bien que toutes ces choses-là me crucifient. Je sais. Laisse-moi aider Madison. Je crois que je sais où elle est. Cette femme t'a mise sans dessus-dessous. Ma petite puce. Une migraine terrible. Une très méchante migraine qui risque de durer des siècles. J'ai besoin de prendre l'air. Oh, très bien. D'accord. Mais ne cite surtout pas mon nom, ma chérie. Oh, mon gros chat. Frida. Ça y est, allons-y. Enlève ce cache-pot. Hé, hey, ça fait plus vraisemblable comme livreur de poissons. Ça te donne surtout un côté arriéré. Hé, hey. Ne me pousse pas, hein. Ne me pousse pas. Ne me pousse pas. Ne me pousse pas. Remets ton galure. Donne-moi ça. Hé, hey, c'est le mien, je te dis. Je m'en fous. Rends-moi mon chapeau. Va te faire voir. Mais ça, par exemple, c'est un peu fort. Rends-moi mon chapeau. Rends-le-moi ou je te casse un non, bras. Non, tu ne l'auras pas. T'entends, on peut abruti? Vous aider, messieurs. Ah, bah vous tombez bien. On vient pour la livraison. Il n'y a pas de livraison prévue pour ce soir. C'est une livraison très urgente pour le docteur Vénice. On a son bébé phoque. J'ai pas entendu parler d'un phoque. C'est une bestiole avec de la fourrure. Un machin qui ressemble un peu à ça. Freddy. Ok. Est-ce que vous savez où aller? Au diable, mais avant j'aimerais bien me débarrasser du phoque.
bébé phoque. Je n'en ai jamais entendu parler. Alertez la patrouille. Harvey, je veux mon arbalète. Arbalète. J'en étais sûr. La trappe, elle est ouverte. Allons, Sultan. N'aie pas peur. Vous pouvez disposer, ma chère. Il me semble que la société de sauvetage des dauphins peut vous mettre à la retraite de façon définitive. Asseyez-vous sur le rebord. Exécution. Pas question. Ah, merci. Oh, c'est normal. Occupez-vous de Sultan. Moi, je donnerai les preuves, j'ai les enregistrements. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Si vous entendez parler d'un job. D'accord. Où est cette flèche? Oh, c'est complet. Continue, continue. Ça va. Allez, vas-y. Ne bougeons plus. Le petit oiseau va sortir. Vous, allez vous mettre à côté du gros qui a le chapeau ridicule. Tu vois qu'il est ridicule. Je te l'avais dit dans le camion. D'accord, c'est une ordure de chapeau, là. Oui, c'est une ordure de chapeau. Hey. Ouais, bon, ça va, hey. N'en parlons plus. Éloignez-vous de ce poisson. Non, ça, sincèrement, je ne vous le conseillerais pas. J'ai dit, éloignez-vous de ce poisson. Sultan va bien? Très bien, monte avec moi à l'arrière, Freddy va conduire. Oh, d'accord. Poussez! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a envie de faire pipi. Ben dis-lui qu'il fallait y aller avant qu'on parte. Continue à l'humidifier, s'il sèche, il va mourir. Oh, attention! Qu'est-ce qui se passe? On a de la compagnie! Attention! Ah! Alan! Oh. Tiens! Je t'en prie. Oui. Alan fait ci, Alan fait ça. Thank you.
obligé de les enfoncer. Non, non, Sultan risque d'être blessé. Oh, quelle chiotte. Oh, voilà encore une autre bagnole. C'est Frida. Allez voir chez le garde, il a peut-être une clé. C'est fermé. Aucun problème, reculez, reculez. Sultan aussi. Il lui faut vite de l'eau ou il va mourir. On peut s'arrêter quelque part? On prendrait un énorme risque. Freddy! On peut pas aller plus vite? Je dois prendre les petites routes. Sinon on est cuicui. Vous êtes sûr que c'est le chemin de la plage? Oh, j'ai pas voulu lui dire, mais... je crois qu'on est perdu. Alan! Viens, amène-toi, je sais pas où on est. Quoi? On est perdu. Alan, il faut qu'on se dépêche, Sultan ne tiendra pas le coup. Ok, monte devant avec moi. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de Sultan. Madison, est-ce que tu sais où est l'océan? Dis-le-moi. C'est par là, là-bas. C'est loin? Sur la terre, je ne sais rien. D'accord. Allez, monte. Doucement, doucement. Oh. Ça y est, je suis. C'est bien, allons-y. On le tourne. Je vois pas sa compagne. Oh, elle est peut-être partie. Dépêchons-nous. Au revoir, mon ami. Ils vous remercient tous. Je t'aime aussi. Vite, Madison, il a du mal à respirer. Sa compagne.
ben voilà. Vous allez sûrement partir. Sur votre île. Je ne comprends pas très bien tous ces mystères, mais... Tu vas me manquer. Je t'aime comme ma fille. Oh. Au revoir, petit frère. Au revoir, Freddy. Au revoir, Madison. Au revoir, beau frère. Au revoir, Frida. Oh. Mais je ne m'en vais pas. Bah, ça fait rien. Je préfère rester. Quoi? Tu avais raison, nous devons être honnêtes tous les deux. Je ne veux pas repartir. Et je ne veux rien t'imposer. J'aime bien être ici. J'apprends des tas de choses. Frida et Freddy me manqueraient tellement. Moi aussi, je reste. Tu es sûre? Ça ne sera pas facile, tu sais. Je sais. Quoi qu'il arrive, je suis plein d'espoir. Voilà Sultan qui revient. Regardez! Il a eu son bébé. Demi-tour, Sultan! Tu as une famille. Famille. Comment est-ce que les sirènes font des bébés? Je t'expliquerai.